Eh ben, salut tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour la suite des aventures sur Final Fantasy VII, le jeu original. On s'est arrêté à la maison d'Iris, qu'on devait retourner dans le secteur 7, évidemment. Alors, ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas retourné d'épisode, ça va faire quasiment 3 semaines, peut-être même un mois, je sais plus trop à peu près, mais en tout cas, sachez que voilà. Du coup, je suis fier de vous retrouver. Alors, je sais plus si c'est l'épisode 6 du Let's Play qu'on est. Je crois que c'est ça en plus. Et du coup, on doit. Ah, Iris qui est revenu. Tu t'es levé de bonne heure. Comment pouvais-je demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux? Tu as fini. Tu crois traverser les taudis des 7h06 pour aller au 7ème set de Tifa? Je vais t'y emmener, va, viens. Voilà, je crois que c'est l'épisode 7, 6 ou 7. Voilà, c'est vraiment. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave, les amis. Nous, on s'en fout, on veut le jeu, on veut du combat, on veut pas mal de suite. On veut la suite, en tout cas. Ah, purée, la maison. Allez, mon petit Cloud. Bim! Allez, Cloud. Fais péter la maison. Bim! Voilà, comme je vous ai dit, hein, les amis, on fait vraiment ça pour vraiment profiter de l'aventure. Ouais, c'est vraiment l'espèce sans prise de tête en gros. C'est vraiment l'espèce sans prise de tête et j'espère que en tout cas ça va vous plaire en tout cas les amis. Et puis voilà. Ok. Allez, hop, on descend, toc. On fait comme ça, on monte comme ça, toc. On descend et on y est. La porte d'accès au 7h07 se trouve ici à l'intérieur. Merci. Donc, se dire au revoir, ça va aller pour rentrer chez toi. La raccompagner chez elle. Ce n'est pas vraiment ton chemin. C'est vrai. On peut faire une pause. Ça fait penser au remake hein, quand même, mes amis. Hein. Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Cloud, par ici. Ok, j'arrive. Tu étais en quelle classe? Classe? Tu sais bien, dans le soldat. Oh, j'étais en première classe. Exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. Évidemment, Zach. C'était du sérieux. Non, mais on s'entendait assez bien. Je l'ai probablement connu, comment s'appelle-t-il? Je n'ai pas vraiment important. Ce n'est pas vraiment important. Rappelez-vous la scène là, les amis. Rappelez-vous. Ah, hé, là-bas. Tifa. Cette fille dans la charrette, cette Tifa, qu'est-ce que ça faisait? Elle a l'air bizarre. Attends. Je vais continuer tout seul, toi, rentre chez toi. Cloud, tu peux parler tout seul, hein. Elle est partie, hein. Elle est déjà partie. Ah, évidemment.
Vous allez voir, les amis, c'est pas du tout la même chose que le remake. Ça a beaucoup changé. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire l'original. Cet endroit a bien des raisons à faire peur, de faire peur. Surtout à une fille, on doit donc retrouver Tifa au plus vite. Ouais. Retrouver Tifa, ouais, pas souci. Par contre, ici, je sais, ça va être un peu galère, galère. Parce que je me rappelle plus du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Si, je sais qu'il faut chercher une robe, bah, comme le remake en gros. Mais sauf, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. C'est le manoir de Dom Toneo. C'est un type d'important ici à Watmaster. Écoute, Don ne s'intéresse pas aux hommes. Alors fiche au camp d'ici. Ok. Je sais plus où il faut aller. Je vais demander par là. C'est fermé. Ok, bon, ok, c'est fermé. Tiens, on va passer un petit coup de sauvegarde, les amis. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal de sauvegarder un petit peu. Toc. Voilà. Ah, attendez, je crois que c'est par là. Voilà, c'est ça. Hop. Du coup, on va aller voir. On retourne tout en haut. Vous allez voir, c'est vraiment le bordel ici. Voilà, c'est ça. Hey, tu as une mignonne avec toi. Hey, on dirait que le manoir de Dom, je vais aller jeter un oeil. Je vais chercher Tifa. Non, c'est impossible. Pourquoi? Tu sais de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas? Mais alors, je suis supposé faire. Tu veux venir avec moi? Eh ben, en tant que com, ça serait plutôt difficile. De plus, je suis de science ici. Ça risque de poser de nombreux problèmes. Mais je ne peux pas te laisser y aller seul, dit Lem. Tout d'abord, nous devons vérifier si Tifa va bien. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Alice? Cloud, pourquoi ne te déguises-tu pas en fille? C'est le seul moyen. Quoi? Attends, j'ai une amie charmante qui pourrait m'accompagner. Allez, c'est impossible. Tu t'inquiètes pour Tifa, n'est-ce pas? Alors viens, dépêche-toi. Allez, c'est parti. Du coup. Je sais plus où tu vas passer. Toc. Il faut parler à sa femme déjà. Normalement. Mais je sais plus où c'est. Alors là, c'est le marchand des armes et plutôt ça. On ira voir après, hein, je pense. Faut chercher déjà. Endroit où les fringues, c'est là, par exemple. S'il vous plaît, je cherche une robe. Ah, ça pourrait être un peu de temps, c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le patron qui est mon père n'est pas au mieux de sa femme ces temps-ci et c'est lui qui fait toutes les robes. Et où se trouve-t-il? Il est probablement trouvé au bar. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre père. C'est ça, je suis désolé, il nous a tellement posé de problèmes. Vous pouvez m'aider à le ramener? Bon, si on ne fait rien, on n'aura pas de robe, c'est ça. Vraiment, je vous supplie d'aider mon pauvre père, je ne sais vraiment plus quoi faire. D'accord, on va faire quelque chose. Allons-y, Cloud. Allez, c'est parti, on a vu le vieux tout à l'heure, hein, c'est ce que j'avais essayé de parler. Du coup, ça va aller vite. Hop, il est normalement ici.
c'est ça, c'est lui. Pardon, serez-vous le père de la fille du magasin de vêtements? Le magasin de vêtements est à moi, mais je ne suis pas votre père. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Des vêtements, vite! Je ne sais pas des vêtements masculins, des éleveurs. Je n'ai rien envie de faire pour le moment. Cloud, attends là un instant, je vais essayer de lui parler. Pourquoi n'irais-tu pas là-bas boire quelque chose? Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'une fois il aimerait se déguiser en fille. Alors je ne voulais lui trouver une jolie robe. Quoi, ce type baraqué en fille? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez lui en faire une? Ça pourrait être très intéressant à commencer à me laver de ne faire des vêtements classiques. Donc vous voulez à nous faire ça? Ouais, ok, qu'est-ce que vous voulez comme genre de robe? Quelque chose qui donne une impression de propreté, de douceur. Aussi quelque chose qui brille. J'ai compris. Vous savez, j'ai un ami qui fait les goûts que lui. Je vais aller lui parler. Ok. Du coup, c'est bon. Oh, tu es ici, c'est prêt. Vas-y, essaye. Allons-y. Comment on se fait pour filer ça? Hey, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore ça, une perruque, oui, c'est ça qu'il te faut. J'ai pensé, j'ai donc parlé à un ami. Vous connaissez le gymnase? Vous y trouverez plein de gens comme vous. Allez leur parler. Comme nous, Alice, qu'est-ce que vous allez lui raconter? C'est important, l'essentiel, c'est qu'on a une jolie robe. Bon, on va sauvegarder, les amis. Parce que là, normalement, vous allez voir, ça va faire comme. Comme sur le remake. Mais un peu plus compliqué. Voilà, vous allez comprendre. Hop, on sauvegarde, c'est fait. Toc. Le gymnase, c'est pas ici. C'est un petit peu au-dessus. Hop, c'est ici. Et vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. C'est toi qui veux devenir beau. Embelli. D'accord. Et pour la perruque? Ouais, j'ai entendu ça. Mais ça va coûter cher. Ah, Bibor, tu ne pouvais t'embellir que tu arrives à battre Bibor. Ouais, c'est ça. Alors, tu dois te mesurer à nous. Tu as raison. Tout accompli. On va te réduire en poussière. C'est toi, le Super Ball. Quoi, tu ne savais pas, tu cours dans tous les sens en mettant du big boy à tous les sauces. C'est pas grave, viens par ici. Non, je vais t'expliquer les règles. Lorsque tu es prêt, appuie sur carré pour t'accroupir, 3 pour relever, rond pour revenir à la position de départ. C'est donc dans l'ordre carré, croix, rond. Carré, croix, rond. oui, j'ai compris. Au bout de 30 secondes, tu serais du nain, du requin et la perruque. Je vais pas perdre. La perruque de Bibor est à moi. Silence. C'est pas juste que. Oui, je vais essayer de m'entraîner pour voir un peu. Ok, là j'ai perdu. Voilà, vous avez compris, les amis, c'est. Carré, croix, rond. Carré, croix, rond. Carré, croix, rond. Carré, croix, rond. Ah, ça va être chaud. Bon, après, vous avez vu, c'est pas du tout la même chose parce que ce sera le remake. Mince, le remake, en gros, c'est avec des touches en même temps. Là, c'est vraiment que carré, croix, rond. Allez, j'essaie de me concentrer, les amis.
Moi, il s'est accompli 18 fois. Et toi, 21. Du coup, j'ai gagné. Bon sang, je suis un homme de paroquin. Voilà, nickel. Ouf. Perruque blonde. Donc, il devient fou, vraiment fou. Oh la vache! Tais-toi! Ne trie pas juste parce que tu as perdu. Les points d'acier de bronze, ils en poussière. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Eh ben, vous savez quoi? On va se changer, les amis. Et puis après, je crois qu'on va s'arrêter ici. Ouais. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis. Parce que ça va faire quoi? Ça va peut-être faire une vingtaine de minutes déjà. Pas mal. J'ai peut-être trouvé un traîneau. Wow, tu as raison, on essaye. Merci de m'avoir montré autre chose. Mon père a trouvé une nouvelle motivation. C'est donc la maison qui va faire la. Oh, les roses. Offre la robe, excusez-moi. Marche de façon plus gracieuse comme ça, mademoiselle Claude. Qu'est-ce que tu veux dire par gracieuse? Oh, vous êtes si mignonne, mademoiselle Claude. Oh, j'en veux une. Qu'est-ce que vous avez une qui m'irait bien aussi? Celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Papa, ce que tu racontes, celui-ci est beaucoup mieux. Non, qu'est-ce que tu racontes, celui-ci est plutôt. Je veux celle-ci. Hein? Je vais me changer. Ne regardez pas. Alors, j'ai l'air de quoi? Oh, tiens, non, t'es pas drôle. Alors, normalement, les amis, ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il reste un seul truc à faire. Il reste un truc à faire. Et c'est pour ça que je me fais jamais choisir par Dom Toneo, je pense. Et que j'ai jamais eu le trophée là, en fait. Parce qu'en fait, il y a un trophée. Bon, après moi, les trophées, comme vous savez tous, hein, ça dépend des jeux. Mais je m'en moque un petit peu. Mais là, pour le moment, j'ai jamais fait, en fait, ici. C'est en fait que je vais aller chercher la robe. Et après, je partais directement là-bas. Et ici, en fin de compte, il y a des choses à faire. Comme dans les remakes. On peut pas. Ah, t'es sérieux, on peut pas. Parce que je pensais que. Ah bah non, on peut pas. Ok. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je m'arrêterai pas là et puis reprendre directement? On va aller jusqu'au truc de Cornéo. Et puis, en fin de compte, je pensais qu'on aurait pu avoir, vous savez, bout de rail. Mais j'ai l'impression que c'est pas comme, du tout comme le remake. Mais bon, c'est pas grave. Zut, ton ami est aussi haut. Entrez, entrez. Deux femmes, deux. Hey, mesdames. Je vais prévenir donc que vous êtes là. Attendez ici et ne bougez pas. Voilà notre chance. Trouvons Tifa. Ouais, trouvons. Tifa, où es-tu? Où es-tu? Ouais. Tifa, quelle joie de te rencontrer, je suis Iris. Cloud m'a beaucoup parlé de toi. Tu es la personne qui était avec Cloud dans le parc. Oui, avec Cloud. Oh, ne t'inquiète pas, nous venons juste de nous rencontrer, c'est tout. Comment, ne t'inquiète pas de quoi? Non, ne me prends pas. Cloud et moi, nous avons grandi ensemble, rien de plus.
Pauvre Cloud, être là à vous nous écouter, rien de plus. Ça va, Cloud? 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 Pourquoi es-tu habillé comme ça? Qu'as-tu fait ici? Oublie ça. Ce qui s'est arrivé après la chute, tu t'es fait mal? Non, 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 non. Hey, laisse-moi une chance de répondre. Je suis habillé comme ça parce que j'étais la seule manière d'entrer ici. Je vais bien, Iris m'a aidé. Oh, Iris a fait ça. Tifa, explique-moi, que fais-tu ici dans un endroit comme celui-ci? Ouais, Oh, ne bougerai. Je vais me bouger les oreilles. Ouais, vas-y, cache-toi les oreilles. Ça me fait plaisir de te voir bien. Merci, que s'est-il passé? À notre retour du réacteur numéro 5, nous avons rencontré cet étrange homme. La barrique l'a tapé et il a soutiré quelques informations. C'est alors que le nom de Dom est venu sur le tapis. Eh oui, Dom Toriel, Barrick m'a essayé de... Ce pervers seul. Mais quelque chose m'inquiète. Je vois que tu voulais entendre toute l'histoire de la bouche de Cornéo. Alors je l'ai fait et maintenant je suis dans le pétrin. Cornéo cherche une femme. Tous les jours, il voit trois filles et choisit une et alors, eh bien, de toute façon, il faut que je sois cette fille, sinon je m'en vais. Pardon, mais j'ai tout entendu. Si trois filles sont dans le coup, il y a aucun problème, je suppose, mais nous avons deux là, non? Alors Iris, je veux pas que tu t'en mêles. Oh, alors tu penses que c'est bien que Tifa soit en danger? Non, je veux pas que Tifa soit... C'est compris. J'ai grandi dans les codis, j'ai habitué du danger. Tu me crois? Merci, mademoiselle Iris. Appelle-moi Iris. Hey! C'est l'heure, mesdames, donc attends. Je t'avais dit de ne pas traîner dans le coin, alors les femmes de nos jours... Dépêche-toi, allez! Je devrais peut-être pas le demander, mais l'autre fils, c'est moi, n'est-ce pas? Tu as raison, tu ne devrais pas le demander. Eh ben, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter un peu plus haut, sans lancer l'autre passage, parce que sinon ça. Bah, vous savez quoi? On va s'arrêter là, les amis. On se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. Salut tout le monde, bye bye!